S'il vous plaît, pas un scuttle encore, j'ai que des scuttles en ce moment, ça me pète les couilles. Wandering Trainer, pitié pas Wandering Trainer. Pitié. Oh. Pourquoi? Pourquoi? C'est de la méga merde. C'est de la méga merde. En vrai, je crois que c'est juste une game country, hein, si personne d'autre a country spot. Oh. Dis-moi, il joue autre chose. C'est tellement pas cohérent, country, hyper pop, big shot. Ok, bon. Du coup, on a une Nico, ça peut donner envie de jouer. J'en sais rien, ce que ça peut donner envie de jouer. Enfin, ça peut donner envie de jouer country, mais le problème, c'est qu'il y a un mec qui l'a. Lui, là. Il a Samira, vas-y, il va jouer country. Du coup, faut qu'on joue autour d'hyper pop, big shot. Alors, c'est bien pour jouer hardstyle, mais c'est pas trop toi qui décide normalement si tu joues hardstyle ou pas. J'ai de la D, donc c'est très bien pour jouer hardstyle aussi. Si c'était l'autre qu'à santé, ça aurait été tellement bien. Avec ça, de toute façon, je peux pas trop jouer punk. Tu peux jouer country uniquement en transi, non? Oui, par contre, ça, je peux le faire. Mais en fait, c'est juste que country spat, c'est tellement free. Pour jouer country, genre country, cette country c'est trop fort, tu vois. Donc quand t'as ce genre d'opener, tu jures que t'as envie de jouer country, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas pris la paire. Ouais, c'est over Tariq, my bad. Du coup, si on veut jouer. Je pense qu'il prend lui d'abord, parce qu'il y a un monde où il s'en bat les couilles. Déjà, il a vendu Samira, donc là, ça fait mes affaires, ça. Il y a quoi là-dedans? Dis-moi, il y a des trucs de ouf pour jouer Harry, comme ça il me laisse tranquille, parce qu'il fait un Asher Blue Buff. C'est très bien pour jouer Harry, ça. Pumping up. Bref. Pour un buffet, c'est vraiment bien. Ok, bon, bah, je crois que c'est country, les gars. Hein. Faut juste un holder. Item AD. Hop. 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 Et on verra. Merci, Valley Boys, pour le flow. Alors, si tu veux perdre les games, c'est ça? Tu veux pas les rendre? Ouais, mais non. Tu veux surtout gagner ton early game pour avoir beaucoup d'HP et ensuite tu perds en mid game, en mid late game. C'est plutôt ça la tech. Bon, j'ai mis E sur lui, mais c'est pas un très bon item. Du coup, là j'ai pris comment Buffett, pourquoi? Parce que l'idée c'est que on veut des items assez spécifiques pour jouer country. C'est ça qui vraiment est important dans la compo. Il faut que la Samira ait 3 IE vite. Je pense que là, ah, j'ai pas pris la Senna, je suis trop bête. Bon, c'est pareil, il y a une Jinx ici. Hop. On va faire ça, hop. Et donc, ça me permet de sélectionner mes items tout en ayant directement un item. Donc là, je pourrais faire la Swisper aussi, je le fais si ça me permet de win maintenant que j'ai gagné un round. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien faire plutôt Red Buff, Event Shroud et plein d'IE. C'est comme ça qu'on optimise au maximum la compo. Je vais garder ça dans les deux. Il y a un moment au joueur style en fait ici. On va vendre ça et on va voir si on a besoin de slab ça ou pas. Ça devrait être ok contre lui. Il a un push mais en fait j'ai country plus un chosen donc après je sais pas, il a beaucoup plus de dégâts que moi, faut juste que la kata ait le temps de s'exprimer un peu. Ah là elle va se faire one shot. Mais ça c'est vraiment un buff de fou en early. Genre country c'est très très fort en early game donc je sais que ça devrait le faire. Ça va être au moins close en fait. Country c'est potentiellement la meilleure synergie d'early game, c'est très dur à sortir mais trop fort. Faut cash out au second tour ou à chaque fois? À chaque fois, si t'es en 3 styles, en 5 styles, si t'as beaucoup d'HP, tu peux te poser la question. Mais il faut prendre à chaque fois dans l'idéal. Normalement, il faut tout en cash out directement. La plupart du temps. Il faut rester en style toute la game, c'est un peu ça le secret. Là, on peut push style en vrai. Enfin, pff, non, on va pas push style, mais on pourrait rentrer style. Next round. Et donc pourquoi vous allez vous dire, ah oui mais du coup tu négliges complètement Hyper Pop et Big Shot, oui. Mais c'est parce que je connais la puissance de country, je sais que country, en 7 country c'est complètement broken. Donc je peux jouer autour de ça. Mais si c'était pas le cas, bien sûr qu'on essaierait d'optimiser un petit truc, genre là Hyper Pop et Big Shot c'est cohérent parce que tu joues Ziggs en Very Late, et Big Shot pour Ezreal et t'as des bons setups, mais là c'est bizarre un peu. Et puis aussi comme on l'a dit dans mon chat, j'ai une Nico, donc ça donne envie de jouer country. Alors du coup, lui aussi il avait un mannequin country ou c'est... Non, c'est le mien, c'est moi qui panique pour rien.
Lui qui joue country, il a quoi du coup? Qu'est-ce qu'il a slam? Il a une belt qu'il a mis sur un mec, mais sinon il a pas encore slam. Peut-être qu'il hésite un peu. On va voir. Et donc là, mon plan de jeu, mon plan d'action, ce que je sais, ce que j'ai en tête là, il faut que j'aille niveau 7 avec un maximum de gold, que je roll pour country avec la Samira Chosen, ou au moins un très bon setup, et après on avance sur. On fait du slow roll. Mais ça, c'est assez classique, 3 cost reroll. Vous allez dire, oui, mais Hearthsteel c'est beaucoup plus fort, ça casse beaucoup plus haut, donc pourquoi est-ce que tu considères pas encore Hearthsteel? J'aimerais trop cette Samira, je peux vous mentir le jeu. Ok, c'est bon, malheureusement on l'aura pas. On va faire un red buff, c'est excellent aussi. Ça permet de garder ma streak potentiellement le red buff, de slam un truc directement. Donc, pourquoi est-ce que je considère pas 3 Hearthsteel? C'est parce que déjà c'est un peu joué dans le lobby. Et en plus, c'est pas toi qui décide vraiment si tu joues Hearthsteel ou pas. Genre là j'ai 3 Hearthsteel certes, mais c'est pas ça qui va décider ou pas si je joue Hearthsteel. Ça va être un peu les drops d'items, à quel point je snowball la game. Hearthsteel c'est un truc d'aéroleur, par contre quand t'aéroles avec Hearthsteel t'es irrattrapable, donc c'est broken. Donc on va faire ça. On va mettre le time catch là plutôt, c'est lui que je veux que lui il tank la priorité parce que bah il tank beaucoup plus longtemps. Quoi que tu me diras, faire ça c'est bien parce que si j'affronte un mec vraiment faible et qui tue pas et qui tue que le mannequin, bah il prend 5 unités loss, donc ça lui fait plus mal. Et donc là j'ai push même si ça me faisait 20, pourquoi? Parce que c'est Hearthsteel et qu'en fait les golds que j'ai investis sur ce push là, même s'ils sont assez massifs parce que c'est un gold là, mais ça peut se transformer en 2 golds là, puis 3 golds là, puis ça peut vraiment snowball le gold que j'ai perdu ici. Mais en fait le Hearthsteel peut récupérer cette value, tu vois. Si je fais un petit cash voire 2, ça peut être assez dingue en termes de value. Et puis en plus push ça me permet de rentrer une unité, d'être plus fort, magnifique. Et d'avoir des odds aussi pour Samira et Urgot, donc t'as ça à prendre en compte bien sûr. Odds c'est les chances de toucher, bien sûr. La pickshot avec le mannequin. Alors j'ai dit qu'on décidait pas de si on joue Hearthsteel ou pas. Et là le jeu a l'air de me dire joue Hearthsteel du coup. Parce que ça là, ça montre Hearthsteel plus Big Shot, ça me donne très envie de jouer Hearthsteel, hein. Parce que en plus j'ai déjà eu le machin, donc on va voir, on va considérer, on va réfléchir. C'est pas encore acté du coup que je joue Hearthsteel ici. Donc c'est ce qu'on peut appeler un pivot ici, peut-être qu'on va pivot Hearthsteel du coup. Parce que le Ezreal c'est dingue là ce que je viens de toucher. On va faire de l'économie. En plus l'aéroïde d'Ezreal c'est que j'ai plus besoin que de toucher Seth et Aphelios. Ils sont beaucoup plus faciles à toucher qu'Ezreal, tu vois, 2%. Pour avoir un 5 Hearthsteel. Et 5 Hearthsteel pour le coup c'est une très très bonne condition pour aller le jouer. Pour aller jouer Hearthsteel directement. Et donc Hearthsteel on s'en fout un peu en early game de toute façon en fait perdre des rounds vous voyez c'est que 10. Mais après ça va être beaucoup plus. Donc on s'en fout en early game de perdre avec Hearthsteel. C'est juste faut jouer. Faut jouer fort et voilà et ça se passe bien. Et après en mid game quand tu commences à plus être trop fort, à perdre un peu de puissance, bah là tu te laisses perdre. Tu forces pas des loses mais juste tu te laisses perdre et c'est bien. Hop, mais là j'ai un country plus big shot plus tout qui rentre et c'est beaucoup plus cohérent comme je vous l'ai dit avec ça donc ça donne envie. Il en est où l'autre mec qui jouait country? Parce que pour le coup si lui il décide à jouer country pour une raison x ou y, genre là il a Sam Morelos qui reste un peu flex, bah là s'il décide à jouer country bon bah on va juste le laisser tranquille hein. Je vais pas aller le contest alors que je viens de toucher un Ezreal, tu vois ça a pas trop de sens. On va pas acheter les casseurs, 4 big shots c'est très fort mais là ça coûte super cher et je peux trouver des trucs aussi forts voire plus forts. C'est pas si important que ça. Un 7, pff, la folie. On va prendre le mort de Kaiser over la Vex. Si on était vraiment axé country on aurait gardé le mort 2 mais là c'est pas forcément le cas. Ici ce que je veux c'est Guardbreaker, Event Shroud. Donc, on va prendre une belle si on a une. Ok bon demi Event Shroud, dans tous les cas dans les deux compos ça reste fort. Et là il y a pas Skimpo, bon. Ça c'est un petit part de l'Aurol, c'est pas grave. Je pourrais faire à la Swisper directement sur le Ezreal, c'est ok en vrai. Mais c'est moins optique d'avoir Event Shroud. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Gargoyle. Un arc en gant. On va prendre l'arc et on verra après. On va voir si on a besoin de slam ça. Ici contre lui, on a peut-être besoin de slam. Hein. J'ai envie d'attendre en fait.
En fait, comme j'ai composant Buffett, les items, je peux les choisir. Et perdre, c'est pas si grave vu que j'ai un style. Donc je vais attendre. Tenter peut-être de gagner avec, avec un peu de chance. Par contre, si la... la Lux pouvait arrêter de one-shot mon unité. Ok. Ok, elle a casse sur le mannequin, magnifique. Non. Ah, je me suis fait avoir par le... par la bulle de Nami. Ok. Trizo Crowd, Shock Treatment, Salvage Me. Bon, Trizo Crowd, c'est broken en Guntry. C'est jamais ça, déjà. Ça, c'est toujours mieux que ça, donc on va roll ça. Ça, c'est fort. Et ça, c'est si j'ai envie de jouer Guntry, mais je crois qu'on a vraiment plus envie, là, en fait. J'ai déjà le Ezreal avec deux items, je vois pas l'intérêt de continuer à essayer de jouer Guntry, en fait. Il a pris Silver Ticket, lui, donc il va reroll. Reroll le 6, je sais pas trop ce qu'il fout. La Forge. Non, Crash Test. Bah, Crash Test, c'est trop fort, parce que ton mannequin, il... ce mannequin-là aussi, il saute, donc trop fort, en fait. Ok. Et puis là, on peut push pour passer à 40 gold en vendant... bah lui, c'est un peu chiant de le vendre, mais bon. Malheureusement, j'ai perdu, donc on va rentrer lui. On profite de Bruiser, c'est fine. Et voilà, mais faut pas être matrixé en mode « Ah, j'ai Nico, il faut absolument que je joue Country. » Si c'est pour une compo qui est... Genre, cette compo-là, elle est trop trop forte, en fait. Arceus, c'est la meilleure compo du patch. De loin, c'est trop trop fort. Enfin, du patch. Depuis 3 patchs, en fait. C'est complètement broken. Et alors oui, je suis contest et tout, mais j'ai un spot vu que j'ai le Ezreal, en fait, j'ai moins d'Ezreal à trouver que les autres, donc j'ai cet avantage-là. Et lui, il a pris Rerug Grab Bag pour jouer style, donc il va sans doute pas jouer style au final pendant très longtemps. Donc en fait, oublie jamais que, oui, d'accord, on pourrait dire « Ah, mais je suis contest, c'est relou », mais moi, je suis contest par eux, mais eux, ils sont aussi contest par moi, tu vois. Donc si je suis meilleur qu'eux, si je suis dans une meilleure situation qu'eux, c'est eux qui sont dans la merde, pas moi. Donc là on est en 3 style, donc on va jamais raise the stake à moins d'être sûr d'avoir un Philo Slam, mais c'est pas le cas. On va cash out. Ici on a MF Akali. Il y a aussi Bard pour Dazzler qui est pas mal parce que ça me donnerait... Oh j'aime beaucoup là, attendez. On enlève ça. On rentre ça, ça fait double synergie avec Jazz. C'est beaucoup plus fort que le Time Kench. Ezreal, enfin Bard c'est une super unité, donc niveau 2 ça fait super mal. Et j'ai pas besoin de tant de front que ça parce que j'ai crash test de mise. On le rappelle, ce qui est important c'est l'équilibre entre front et backline. Et là je manquais plus de dégâts que d'autre chose. Par contre j'aurais dû rentrer le core kill. Hein. Over-ioné. C'est une erreur, my bad. Peut-être qu'en cas de big shot je gagne ça. Parce que c'était un peu ça le play de base. On va vendre ça d'ailleurs à ce stade, on en a plus besoin. Prends le bard, on sait jamais, mais bon j'y crois pas trop. Là il faudrait Event Shroud. Le Z est vraiment dingue parce que bah ça fait un début de blue buff ou autre chose et c'est un Z quoi, tu le veux dans la compo. Bon c'est fine, Event Shroud ou Guardbreaker, donc les deux c'est l'épée, enfin c'est la belt plutôt. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup? On fait un autre arc hein, on verra bien. Peut-être qu'on fait juste la Swisper au final. L'idée c'était de faire ça plutôt quoi. Là on peut rentrer deux hyper pop. Enfin, ouais, ça deux hyper pop. C'est pas dingue en vrai. 20 d'AS c'est pas mal, tu vois, mais c'est pas worse. Bon, là on commence à avoir des items bizarres. Je pense qu'on va être obligé de slam la Swisper, mais c'est dérangeant en fait, vu que j'ai ça. Est-ce que j'ai besoin de conclure? Conclure, j'ai pas besoin, donc on va voir après. Conclure, il a eu Spatter Steel, donc il en raise the stake et tout. En vrai, si lui il me bat, c'est trop bien, hein. Ça lui nique sa game. Enfin, ça lui nique pas sa game, mais en tout cas, il est moins dans un spot de malade. Le problème, c'est que j'ai Ezreal, quoi. Et que c'est broken. Bon. Fait un raise the stake avec la Sten, lui, il a un gros gros potentiel. Disco, c'est comment en ce moment? Disco, c'est jouable, c'est pas mal, faut être de devant. Bon, là, on pourrait dire, oh, j'ai Nico, j'ai plein de bardes, c'est trop fort, bard 3, mais bon, on va pas rester sur ce chosen dans genre Arceel, ça a pas de sens. On a Aphelios ici. On va jouer ça tout simplement. 5 arcils sur un round. Quelques stacks en plus. On est en train de. On n'est pas en win streak donc c'est fine. Ça on veut plus jouer de toute façon à ce stade. Ça, ça peut, on sait jamais, on va attendre. On part de 3 par contre, ça y est au moment. Surtout en train d'aider les autres à toucher leurs unités. On garde en ce bard.
est-ce qu'on peut faire quelques kills? Ok, bon, on prend quelques stacks de hardsteel, c'est fine. Aucun round, on va faire genre un cash à 80, ça fait des gold. Et là, on a des HP pour jouer autour d'hardsteel, donc c'est bien. Qui me conteste? Là, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, lui, du coup, il me conteste. Après, il est niveau 6. 50 gold. Pas un board de ouf. Il a son... il a quand même un bon chosen hardsteel, mais... C'est pas lui qui a roll pour hardsteel tout à l'heure? Non, ça, c'était la game d'avant, je crois. Lui, ok, il joue pas ce que je joue. Lui, il joue hardsteel aussi. Après, il a un chosen rapid fire. Il en 4 hardsteel. D'accord, il a last end, mais... Attends, mais c'est lui qui était en last end. Quoi? Il a cash out 179. Ah, oui, il a... D'accord, il a... Il a raise the stake, mais en 2. Du coup, c'est pas terrible. C'est cool, ça. Hop. Là, on va voir si on peut avoir enfin un item. Allô, quelque part, quelque chose. Du coup, je pense qu'on va faire... Even Shroud W, c'est vraiment fort, en vrai. Je me retrouve avec deux arcs, du coup, c'est un peu chiant. On trouvera toujours quelque chose à faire avec ces deux arcs. Hein. Merde, j'ai pas push. Je suis un peu con, my bad. Je crois que j'étais déjà level up. De toute façon, on va forcément roll. Comme ça, donc on va push. Je pense pas qu'on joue le Kai'Sa, enfin... C'est possible, en vrai, on a big shot plus 1, on va voir. Lui, ça m'étonnerait. Ça va plus s'embrouiller qu'autre chose. Là, faut vite choisir l'augmente pour faire le play, prendre le cash. Et jouer au jeu. Jouer au niveau 8. Là, ce qu'on recherche, c'est clairement tout le setup as hardsteel de base. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Know your enemy, c'est vraiment pas mal. Recherche l'augmente vite, surtout. Là, c'est important. Hop. Tac, j'ai failli roll sans vendre lui, ça aurait été con. Ah putain, on s'en fout, je suis en train de regarder une info. Bon, on a rien à foutre là. Merde, il y avait le bard, on va falloir que je le reprenne pour le coup. 8 bits avec Caitlyn et tout. C'est fort ça, mais. En vrai, vu que je fais encore roll, je vais pas le prendre tout de suite. Putain, ça m'embrouille là. Ok, magnifique. Ce que je viens de faire. Merci Spat, c'est trop fort. Je sais pas trop ce qu'on va faire en last item pour elle, il faudra un item. Ok, il faut que je rentre ce Zac. Ça m'embrouille les Kai'Sa, là, j'aurais jamais dû les considérer à ce point-là. Bon, du coup, on va jouer en 3 style a priori, vu qu'on n'a pas été. Vu qu'on a été ça. On n'a pas été un procar style. On joue ça. On va se débarrasser, genre de. C'est de là potentiellement. Je pense qu'on fait ça. J'ai pas envie de roll plus que ça, je veux dire, je suis en 5 heures style, donc... on peut proc un peu de... Merde. On peut proc un peu de... De stacker style en perdant, c'est pas très grave. Par contre, j'ai pas le Event Shroud devant la bonne unité, c'est un peu bête ça. Là, c'est mieux, je tape dans l'écho qui est... Qui a ses résistances baissées. Et vous voulez vraiment jouer autour d'une Poppy, hein. Poppy 2 c'est important dans cette compo. C'est ça qui va vraiment vous mettre bien. Bon, j'ai stacké les yeux parce que c'est beaucoup de stats, vous voyez, c'est des stats offensives. Crit plus AD et des crit chance, donc en vrai il n'y a pas d'intérêt de pas le faire. Et vous dire, ah, et là ce qui est chiant c'est que mon économie d'item elle est un peu fuck. C'est-à-dire que en voulant faire des très bons items, je me retrouve avec deux arcs, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mais c'est ok parce que je joue avec cette augmente là qui me permet de choisir un peu mes items. Donc on pourra se trouver des façons de s'en débarrasser. Là il faut qu'on prenne un item pour s'en débarrasser de façon. Donc la Titan serait pas mal pour ça. Ou le... Au pire un Runan pour plus tard. Mais non. Ah, vas-y.
On va prendre ça. J'en fais GS plutôt que le deuxième. Ouais, j'y ai pensé, mais en fait, je trouve deuxième IE, c'est beaucoup plus fort. Parce que deuxième IE, ça va aussi s'appliquer contre les backliners. Et lui, il a un gros backline access. Et c'est le but de cette unité-là, c'est que faut qu'Ezreal, il tue la backline. C'est comme ça qu'il vraiment s'exprime bien. Faut qu'il puisse one-shot un maximum la backline. Et GS, ça ne sert pas à grand-chose sur lui, du coup. Enfin, c'est pas dingue sur lui, en tout cas. Là, je suis en 3 big shots. Je pense qu'on va enlever ça pour 4 big shots. Pour Z, simplement, mais 4 big shots, je pense que ça paraît être le plus logique. Parce que le 7 m'offre Mosher plus... Voilà, il m'a déchiré avec son Dazzler, lui. Bon, Ezreal s'est fait déchirer, frère. Ah, mais là, je suis dans un mauvais spot, les gars, parce que j'ai pas Ezreal 2, j'ai pas beaucoup d'écho. J'ai pas grand-chose. Très bizarre ce qui se passe, là. Je tape dans le... Crank. Bon, on fait des stacks, faut essayer que ça me débloque une win condition ou quelque chose. On va sans doute troll 8 après le PVE. Faire un maximum d'économie. Lui, il a Q1 Ezreal au final. Ça m'avantage, j'ai trop il a ouais, on s'en fout. Lui, il a 2 Ezreal, faudrait qu'il tombe en fait, faudrait juste qu'il meure. Il a un gros setup, hein. Faudrait pas que je l'affronte maintenant. Ça serait bien qu'il affronte un mec plus fort. Il faut juste que je m'écarte de son lyonnais, à mon avis. Et un bard aussi, bien sûr, faut que je prenne bard. En fait, je pense qu'on va enlever ça et ça pour jouer bard. Bard caissage. Comme ça, on perd pas de synergie, mais on gagne juste. On perd 5 heures style, bien sûr. On gagne 4 big shots, et avec 2 IE, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Bon, lui, on perd. On va perdre de peu d'unités, c'est très bien en 5 heures style. Ça monte à 130 sur le cash, c'est pas mal. Donc voyez, l'intérêt d'Hearthstyle, c'est que vous pouvez continuer à trade vos HP, mais en perdant des rounds, c'est fine, parce que vous avez ça. J'ai vu un légendaire, j'ai pas vu quel c'était. Kane. Un Tom. Oh là là, quel bordel. Big shot. Big shot, a priori, hein. Comme ça, j'ai même pas besoin. Je peux juste entrer Z over ça. En vrai, big shot sur elle, c'est même pas nul, mais... On va voir, ça peut être Z aussi, hein. Peut-être qu'il utilise bien. Plus on s'en fout, on va le vendre. Ok, c'est bien ça. Zig, c'est pas mal. Hop, hop. Super bruiseur. Lui, ça sert à rien du coup dans ce setup. Faisons ça. J'aime bien en vrai ça. Hein. Pour le coup, il faut que je tue les arcs d'une façon ou d'une autre. Là, on fait juste une bonne économie d'items, donc c'est pas forcément les items auxquels vous attendez, mais ça nous permet. On fait de l'affront de la backline juste pour pouvoir cycler les items et se retrouver avec un truc qui a du sens, qui est cohérent. Là, je vends ça et je pense que. J'ai pas envie de vendre les AK en même temps, tu me diras, il rentre à la place de qui là, les AK. Zac 2, c'est mieux que Bard, c'est sûr, pour l'instant. On va voir. Ouais, Zac 2 vers Bard, je pense. Mais bon, on perd Dazzler et Jazz. Mais c'est pas très grave en fait, genre je gagne Bruiser, donc dans tous les cas les HP je les récupère à peu près, sans HP c'est à peu près ce que ça me donnait. Et c'est ok quoi, parce que c'est beaucoup plus fort en termes d'unité ça. Donc là je me trouve avec une vraie frontline, pas beaucoup de backline par contre. J'aurais sans doute roll encore pour Caitlyn, c'est con de roll à 0 mais là on est un peu obligé à mon avis. J'ai pas envie de roll plus deep, j'ai pas envie de roll aussi sans... J'ai pas envie de vendre un Z là, parce que pour le coup Z2 ça peut être mieux que... Caitlyn. C'est pas grave de faire cet Hearthstyle. Non, c'est trop cher ici. J'ai 36 HP, tu vois, donc si je gagne, bah je fais pas tant de stacks que ça, c'est sympa, tu vois, mais bon. Je vais pas niquer un potentiel, une potentielle win condition. 4 big shots, tu vois, c'est de la puissance de board pour ça. Et si je perds, j'ai de loss, quoi, donc bon, je peux pas en faire grand chose. J'avais plein d'HP, par contre, ça aurait été peut-être considérable pour aller chercher un gros cash, mais là c'est trop loin. Ok,
Poppy one time. Beaucoup de résistance. Ça peut le faire, il a pas des items de ouf, hein. J'aime pas du tout GA sur cette unité là. Magnifique. Il me faudra vraiment juste une upgrade de dégâts en fait, parce que ce qui me manque là c'est tout simplement une unité qui fait des dégâts. Ezreal, c'est Bi. Je pense qu'on va rester sur ce setup. Alors elle, elle a pas forcément beaucoup d'AD de 8 bits, mais elle a l'AD de Big Shot. C'est combien 4 Big Shot? C'est quand même 100 d'AD. Donc bon, c'est 90 je crois. Donc c'est fine. À mon avis, on faut vendre ça. Hein. Ça c'est juste Lucian en fait. Voilà. En fait, elle, ce sera juste Lucian à terme, comme ça j'aurai quand même Jazz, et voilà. Et ce sera au niveau 9. Mais là, ça nous permet juste de stabiliser, d'être bien, pour avancer vers le niveau 9. Sinon, on va juste perdre nos HP, donc on peut pas juste se permettre d'aller au niveau 9. Il faut stabiliser fort au 8, puis ensuite aller au 9. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Je rappelle certaines bases, c'est une base qui, au final, peut paraître simple pour certaines personnes, mais pas forcément pour tout le monde. Ok, un petit one-shot sur la... Non. Un cast. Ah putain, tellement close. Tellement close, c'est pas grave. Là pour le coup, ça me donne une petite loss de Hearthsteel, c'est encore ok. Tu as pris le S. Attends, merde, j'ai skip le S là. Oh, je suis un fils de pute. Ah non, désolé les gars, j'ai skip un S. Non, je l'ai vu le S en fait, j'ai cru que je l'avais pris, mais c'est les Z que j'ai gardé. Oh putain, désolé les gars, c'est my bad. Ah oh, putain, j'ai troll là. Ah, oh, j'ai troll de ouf. Rapid fire, non. Est-ce qu'on prend le Lucian et vas-y, on se dira, on aura Kiana plus tard, je sais pas frère. C'est juste mieux que Ziggs en fait, Lucian ici. My bad, les gars. J'ai skip le S. Oh, j'ai tellement troll ma game là-dessus. C'est pas grave. Ok, après on a EDM. Bon, la spat elle est un peu inutile, mais j'ai vu les items. De toute façon, il n'y a pas grand chose à prendre là. À faire ça. Ça, c'est de l'AD en vrai. Hein. Je pourrais le mettre là, mais pff, ça peut être un TG ici. On va le mettre là plutôt, non? De toute façon, les trous dommages, là, je vais pas trop les jouer, donc a priori. Ah putain, le skip le S, c'est vraiment une grosse erreur. Mais bon, si jamais j'arrive au niveau 9, la Caitlyn, elle peut me carrer jusqu'au niveau 9. Si j'arrive au niveau 9, je pourrais le retrouver assez facilement, mais... ça peut. Genre là, si j'avais pu prendre le S plus ça, c'était tellement dingue. Le Zokaru, il y en avait un. Ok, nice. Donc on s'emmerde. Ok, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas mettre le trou de dommage ici. Après, je pense qu'on le met sur Zac plutôt que Lucian. Parce que bah, il est niveau 2 et c'est un gros fond planeur quand même. Putain, les systèmes de fou qui me sort en plus. Hop, magnifique. Et donc en late, c'est Bard Ziggs au niveau 9 over ça. Et voilà. Et on met les items sur Lucian en espérant avoir Lucian 2 à ce moment-là. Stitch de fou, je te jure, frère. Il me met tellement bien. Limite, j'aurais préféré tag le Yone maintenant parce que ça peut peut-être me permettre de le battre. Hein. Après, Yone, on peut l'outscale à terme, hein, mais pour l'instant, il nous déchire, je pense. Ok, bon, ça va se passer comme tout à l'heure à peu près, je pense. Après, Pentakill, c'est pas la même chose que ce qu'il avait tout à l'heure en gear. Hein. Il avait Red Buff à la place. Ça fait beaucoup plus mal sur Akali, mais. Et puis le tank plus aussi. J'ai un meilleur board aussi, donc peut-être ça passe. J'ai pas d'anti là. Ah, c'est en overtime en vrai, vu l'HP que ma poupie est là, je pense que ça passe, non? Ouais. Ok. Gogan, c'est généralement mieux sur les tanks? Oui et non, oui et non. Ça dépend de l'unité backline, tu vois. Lucian, c'est une unité de fou, donc pouvoir lui mettre directement deux items, c'est trop fort. Mais oui, globalement, généralement, comme tu l'as dit, généralement, c'est mieux sur les tanks. Ah là là, le skip S, je vous jure, je ne fais jamais ça dans vos games, c'est débile, il me hante encore là. Ok, je crois que je fais 8 gold normalement là-dessus. On vend le Yone, on fait 30 gold, on peut acheter le Bard. Avec un peu de chance, on arrive à push bientôt. Ok, ça va être quoi ça? Ça va être un item pour lui, a priori. Sauf que tout est nul, donc c'est un peu relou. Red buff c'est pas trop mal hein. C'est crabadon, c'est même pas dégueu. Ah, mais de toute façon lui va prendre les 3 items. Donc faisons juste un... Merde, ah putain. En fait je voulais pas le prendre
parce que je savais qu'il allait aller dans les airs, mais en même temps c'était la seconde, j'étais obligé de cliquer. Relou. Ah bah il est là. Ok, parfait. D'accord, j'arrive jamais à savoir sur quoi c'est bon ou pas. Faut le mettre sur des unités qui ont pas tant de mana que ça, sinon ils cassent trop peu de fois et du coup c'est pas rentable. Putain, je vais mettre le Ezreal 2 là, qui part en vent, pas en fumée. Et faut le mettre sur des unités qui profitent bien de la paix et ont pas un temps de cast trop long aussi. Donc Zig c'est très bien. Harry c'est excellent. Vex c'est pas dégueu. Lulu c'est fort. TF c'est ok parce qu'il a un gros ratio sur l'attaque speed quand même. Tout ça c'est pas mal. Ok, bon lui il faut juste que j'écarte mes unités au maximum de son TF pour qu'il tape long, assez tard dans le fight mon Ezreal, genre dans l'idéal. Et là on veut juste attendre le niveau 9, on va push niveau 9 directement parce que là on est quand même on est en train de jouer à la limite, on peut pas attendre un round ou deux. Chaque round vaut beaucoup d'HP, on est très tard dans la game. Excellent, j'affronte le ghost, hein. Les ghosts sont toujours plus faciles à battre que les unités, non, enfin que les joueurs de base. Donc ça va être 56 le push. Est-ce que j'ai le push? Je crois pas. À moins de vendre ça. Mais est-ce que je vends une Caitlyn qui je crois carry tous mes fights là? En vrai, vous savez que c'est tellement fort Lucian qu'il y a un monde où juste en swappant les items, je suis gagnant au change quoi. En fait, ça dépend si je perds le round là si je le fais pas. Je viens de l'affronter. Ne pas le faire, c'est genre garder plus de. C'est juste pour faire beaucoup plus de gold. Ça peut être intéressant parce que là, pour le coup, j'ai pas encore Ezreal 2. Si j'avais déjà Ezreal 2, je pense qu'on pusherait. Mais je dois toucher Ezreal 2, donc il me faut beaucoup de gold au niveau 9. Donc même si je pense que là, je perds contre lui, parce que là, j'ai affronté la fausse version de lui, je vais attendre. Je vais attendre un round parce que j'ai 27 HP. Si j'avais moins d'HP, bien sûr qu'on pusherait. 27 HP, c'est sûr que je survis. De base, sur un Stachis, on prend 9 de dégâts, plus 2 de dégâts par unité en vie sur son board, jusqu'à 4 unités, et après 1 de dégâts par unité en vie. Quand je vais te poser une question. Merci Quentin Steak pour le flow. Je pense que Lucian avec le stuff fait limite les mêmes dégâts qu'Kate 2, c'est ce que je me disais aussi, mais en vrai tu vois c'est une Kate 2 quand même, genre c'est pas non plus une unité nulle à chier, genre sur le patch elle est forte Kate. Donc je pense que je suis légèrement gagnant au change en faisant ça, potentiellement, et dans tous les cas juste ça vaut pas les golds que je perds en fait, tu vois, en termes de puissance de board. Parce que c'est 4 golds de la curve vu que je vais jamais aller niveau 10 sur cette game, je vais jamais les récupérer les golds que j'investis en trop dans l'XP en fait. Ça c'est big ça. Ezreal 2 directement, comme ça, hop. 4 gold de la curve. Les 5 gold du round, parce que j'ai pas utilisé mes gold, du coup j'ai toujours 50 gold. Plus le PVE, on sait jamais ce qu'il peut y avoir, tu vois. Hop. En plus ça me donne 2 hyper pop, du coup ça me donne qu'une synergie par contre, peut-être que Kate est mieux pour l'instant. Est-ce qu'on roll? Je crois qu'on roll pas, hein. On va pouvoir le battre sans. J'ai un TG là. C'est un peu relou. C'est pas tant relou que ça en vrai. Hop. GS c'est toujours mieux sur unité AD parce que c'est 30 AD qui partent dans le vent. Sinon, si je le mets sur Zix par exemple, ça reste bien sur Zix, mais on préfère du coup le GS sur le Lucian que sur le Zix. Voilà, plus je savais que je gagnais, c'était assez close tout à l'heure, et là du coup je me dis en pushant plus Ezreal 2, normalement c'est bon. Et du coup comme ça on économise des golds, et avec un peu de chance, au roll down on peut toucher genre Zix2 ou Lucian 2. On est obligé de roll down maintenant, sinon on perd potentiellement pour rien. Après je pourrais aussi scout et me dire ok est-ce que je le bats. Il y a un moment où je le bats tu vois, mais bon rien que trouver un Zix c'est bien parce que ça le deny en fait. Vu qu'il cherche Zix aussi. Roll pour barre 2. Franchement, vu les items, je vais le mettre là. Hein. Bon, j'ai pas l'item du siècle sur Zach. Mais là, le petit TG sur Aphelos aussi, croyez-moi, il fait la deal. Genre, c'est des petits trucs comme ça qui font que Arsyl vous permet d'outcap tout le monde en fait. Petit gold de barre, on prend, on récupère, on dit pas non. En plus Disco t'as vraiment un bon matchup avec Arsyl parce que tu one shot tout le board. C'est un peu pour ça que Disco dans la méta c'est jouable mais c'est pas non plus dingue, il faut jouer de devant. Parce qu'il y aura des matchups que tu pourras pas gagner comme Arsyl facilement quoi.
Bon, vous, je pense que je l'upload sur YouTube cette game quand même. Mais j'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait une... Mon roll down, je crois, était pas dingue. Et le skipez me fait un peu mal au cul. Pour ne rien vous cacher. Mais c'est cool. Et bien sûr, j'en ai pas parlé énormément. Mais Poppy, c'est de loin le meilleur chosen dans ses setups. Ça, c'est le setup classique Hardsteel. Vous aurez l'occasion, je pense, de le revoir. Je vais le rejouer dans beaucoup de compos. Good game, parce que c'est trop broken. C'est un setup classique. Alors, d'habituellement, on n'a pas le double big shot. Donc, ça ressemble pas à ça. Complètement non plus, tu vois, genre t'aimes bien jouer en 5 Hardsteel, si t'as 5 Hardsteel, si t'as un Ezreal Hardsteel, tu joues plutôt autour de Ezreal Hardsteel, de 5 Hardsteel. Illaoi, c'est... ça peut être mieux, mais bon, faut vraiment toucher de Illaoi en un roll, quoi, donc ça pourquoi pas, mais je suis pas sûr. 6 big shots. On est... c'est trop tard dans la game pour commencer à faire des dingueries bizarres avec 6 big shots, là. Malheureusement, on n'a pas hit, donc ça, c'est pas mieux que ça, mais en même temps, tu me dirais, il a tellement des items de merde que... Mais bon, comme j'ai déjà... Attendez, Archangel ou ça? Je pense que c'est ça. Comme j'ai déjà les 3 mannequins, c'est bizarre de mettre en plus les tentacules, ça fait trop d'unités sur le board, ça peut partir en couille. Et en plus, c'est... si c'est Illaoi 2, par contre, c'est sûr c'est mieux, mais là, c'est Illaoi 1. Ça m'a l'air correct. Ok, nice, et on passe diamant là-dessus. A priori, j'aurais bottom depuis longtemps avec ce roll moyen. Ouais, il faut bien connaître la puissance de votre board. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je roll ici? N'hésitez pas à revoir des parties de la game sur YouTube. Pourquoi est-ce que je roll là? Pourquoi est-ce que j'attends là? Faut savoir quand est-ce que vous êtes assez fort. Genre le Ezreal, je pouvais le passer 2 et tout, mais j'avais 70 HP. Du coup, tranquille en fait. Genre, pas besoin de se prendre la tête à instantanément le trouver 2. Des fois, faut apprendre à attendre un peu pour recréer de les gold et ensuite roll à des timings mieux.